Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce vendredi pour une nouvelle édition de Daily Spot sur notre antenne CRTV Spot. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. Une nouvelle partie de chasse pour les Lions indomptables du Cameroun qui affrontent ce vendredi à 17h les requins bleus du Cap-Vert. C'est un match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Derniers échos de la tanière avec les envoyés spéciaux de la CRTV à Praia dans ce numéro de Daily Sport. Nous parlerons également des activités de nombreuses fédérations sportives civiles nationales qui pourraient se dérouler bientôt au gymnase multisport de Mfandena. Ici à Yaoundé, le chantier arrêté depuis quelques années a reçu la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique hier jeudi. Le professeur Narcisse Mouelé-Kombi annonce un plan de relance des travaux. Et puis, nous parlerons athlétisme à la faveur d'un nouveau meeting prévu ce week-end dans la capitale économique Douala. Zoom ce matin sur les potentiels médaillés. Voilà pour le menu de cette édition de Daily Sport. Je suis Bernard Fongank, parrain des Jeunes de l'Ouest, questeur au Conseil régional de l'Ouest. La pandémie du coronavirus a endeuillé de nombreuses familles et a paralysé notre économie. En fin d'année dernière, le Cameroun pensait avoir vaincu ce fléau, mais c'était sans compter sur sa détermination à nous détruire. Au-delà des actions quotidiennes du gouvernement, chacun de nous peut contribuer à cette lutte en portant des masques, en respectant la distanciation sociale et en se lavant régulièrement les mains avec du savon. Protégeons-nous, protégeons nos proches. Ensemble, nous vaincrons. C'est l'actualité majeure de ce vendredi. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent à 17h, heure de Yaoundé, les requins bleus du Cap-Vert. La rencontre compte pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. La journée d'hier a été marquée par la traditionnelle séance de reconnaissance de l'aire de jeu, la conférence de presse d'avant-match et la réunion de veille de match dans la tanière des Lions indomptables. Nous vous proposons d'écouter le représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique à Praia et celui de la Fédération camerounaise de football en ouverture de ce numéro de Daily Sport. Bonsoir à tous. Vous salue. Le message que je vais vous délivrer ce soir, celui du ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est un message qui tourne autour de quelques éléments. D'abord, un message de consolidation. Vous avez commencé cette campagne. Je crois qu'ils ne sont pas nombreux qui peuvent dire autre chose que ce que nous voyons tous. Un groupe qui est en train de se former et qui, au fil des matchs, devient de plus en plus rassurant. Et je voudrais simplement vous encourager dans cet état d'esprit-là. Nous savons que nous n'avons plus assez de moyens. Mais ce n'est qu'en travaillant, ce n'est qu'en continuant à croire en vous, comme nous croyons en vous, le staff, les joueurs, que demain sera beau. Tout ce que la fédération reçoit comme applaudissement, c'est grâce à vous. C'est grâce aux techniciens qui travaillent. La fédération nous doit beaucoup. Le Cameroun nous doit beaucoup. Nous ne pouvons que vous encourager de continuer à mouiller le maillot. Il n'y a rien de plus grand. Mouiller le maillot pour ceux qui t'aiment. Les milliers de Camerounais, les milliers de qui vont regarder le match de l'heure. Et je prie que vous fasse parce que vous êtes là. Vous faites plus de publicité pour notre pays que pour nous. Donc je ne peux que, au nom de la fédération, vous dire merci.
concentration dans la tanière des Lions Indomptables du Cameroun qui recevait donc les messages d'encouragement du ministre des Sports et de l'Éducation physique à travers son représentant et celui de la Fédération camerounaise de football. Le représentant, c'est bien Saint-Fabien Vogo, qui est également président de Heading Sport de la Leki au plan local. Parole à présent au sélectionneur national des Lions Indomptables du Cameroun, Antonio Conceição, s'exprime sur ses choix, la vie dans son groupe et le match ce soir. Je vous propose de l'écouter au micro de nos envoyés spéciaux à Praia. Au Rwanda, mais premièrement Cap Verde, qui est le jeu que nous avons pour affronter. Alors, depuis le début du stage, on est en stage, on a regroupé le groupe de joueurs depuis quelques jours. Je ressens un esprit positif qui se renforce à chaque stage. À chaque fois qu'on se regroupe tous ensemble, on retrouve l'harmonie, l'envie du groupe. Ils vivent bien ensemble et ça pour moi c'est le plus important parce que ça se voit au jour le jour. Comment le groupe vit ensemble, ils sont bien ensemble et quand c'est comme ça, on est beaucoup plus prêt pour atteindre les objectifs qu'on s'est tracés. On a un long chemin devant nous. Là, on a 26 joueurs, 25 joueurs parce que, comme vous le savez, Zambo Anguissa n'a pas pu voyager dû aux lois gouvernementales de l'Angleterre qui ne permet pas de venir ici. Mais on travaille d'arrache-pied comme toujours. Avec tous les petits détails pour préparer ces deux matchs, aussi bien contre le Cap-Vert et le Rwanda. On se fixe déjà le Cap-Vert car c'est le prochain match, c'est le plus important, pour continuer dans la lignée et le chemin qu'on s'est tracé ensemble en tant que groupe, c'est-à-dire de continuer dans notre invincibilité. Ma parole relativement... Un petit mot aussi pour les joueurs appelés du championnat local et les jeunes aussi qu'on a appelés. Simplement, c'est une opportunité pour eux. C'est le compromis que je m'étais fait avec mon staff technique envers la fédération et envers le ministère de rechercher la victoire sur le présent, mais aussi sur le futur, préparer le futur. Ce sont des jeunes qui ont été très bien accueillis par le groupe, dû à leur caractère et à leur qualité. Ça renforce encore plus nos choix et notre liste par rapport au futur. Comme ça, ça leur permet de gagner de l'expérience, pouvoir évoluer avec des joueurs qui vont les aider à évoluer, tout simplement. Donc, c'est un pas très important pour la sélection des Lions Indomptables. C'est-à-dire, nous, on pense aussi bien sur le présent, c'est-à-dire à gagner tous les matchs possibles, mais aussi, notre objectif est de créer une base pour le futur. C'est le compromis que je m'étais lancé. Et je pense qu'on est sur le bon chemin dû à tout ça, parce que on voit comment les joueurs sont reçus, comment ils travaillent ensemble, comment ils vivent ensemble, comment ils évoluent. Et ça, c'est le plus important. Savoir que porter ce maillot, ça a des responsabilités, et savoir aussi que la porte est ouverte à tout le monde. Pour votre premier match officiel avec le Cameroun, vous avez été tenu en échec à Yaoundé par cette sélection du Cap-Vert. Plus d'un an après, votre groupe a grandi. Pensez-vous demain pouvoir faire la différence? É verdade, foi o nosso primeiro jogo oficial. Foi com o Cap-Vert e onde é. Alors en effet, je me rappelle de ce premier match comme si c'était hier. C'était notre premier match officiel. On avait déjà eu un match amical avant en Tunisie. On a fait 0-0, c'est vrai, mais je pense qu'on méritait la victoire. On a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Chaque match a son histoire. Demain, on attend un match différent. On a un groupe différent. Il y a certains joueurs qui n'ont pas pu voyager. Par exemple, ceux qui évoluent dans le championnat français dû aux restrictions du gouvernement. D'autres joueurs qui reviennent de blessures, qui n'ont pas encore de rythme compétitif pour pouvoir être ici présents. Mais moi, je compte sur ces joueurs que j'ai convoqués, je compte énormément sur eux, j'ai énormément confiance en eux.
Maintenant, on sait que ça va être difficile, aussi bien dû sur le terrain qui est un terrain synthétique, qui cause beaucoup de problèmes à des joueurs qui ont l'habitude de jouer à 90% surtout sur des pelouses naturelles, et aussi bien sur le vent, comme on a pu le constater aujourd'hui à l'entraînement. C'est un terrain qui est assez ouvert, où il y a beaucoup de vent. Donc on va s'adapter. Les joueurs sont avisés pour cela. On a déjà ce match en tête. Tous les petits détails sur lesquels on a travaillé avec mon staff, on l'a transmis aux joueurs et on va continuer à le transmettre jusqu'à l'heure du match. Ça va être toute une autre histoire. Nous, ce qu'on espère, c'est tout simplement que l'histoire va changer avec la victoire pour notre côté. J'ai entièrement confiance en mes joueurs et en ce groupe et d'essayer de donner le maximum comme on l'a fait depuis le début. C'est tout ce que je leur demande et j'ai entièrement confiance en ça. Dernière question. Lors du dernier rassemblement, dernier match à l'étranger au Mozambique, vous avez été coincé à quelques heures du début du match par les résultats des tests Covid qui vous ont privé de quelques joueurs. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous rassurer que vous avez les tests Covid et que votre effectif sera au complet pour demain? Sim, a informação que tivemos agora de última hora por parte do departamento médico, que todos os jogadores, após terem feito o teste Covid, en effet, après avoir reçu les nouvelles du staff technique par rapport au test Covid de tous les joueurs, on aurait dû les recevoir beaucoup plus tôt. On les a reçus là en début de soirée. On n'a pas de problème par rapport au Covid, ce qui montre l'excellent travail et le professionnalisme qui règne autour de cette équipe, la protection des joueurs. Au jour d'aujourd'hui, on a tous nos joueurs disponibles. Donc nous, on avait déjà tout planifié avec mon staff par rapport au match de demain. On avait fait le plan A, le plan B. Donc le plan A, il se maintient, tout simplement. On sait très bien qu'on va avoir un match difficile demain parce que le Cap-Vert a encore des aspirations à être qualifié pour la CAN. Ils vont tout donner à nous de montrer présent. Ça va pas être un match facile, ça va être un match très difficile pour différentes conditions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le terrain, le vent, les nouveaux joueurs aussi pour chez nous. Mais nous, on est totalement confiants, on a tout planifié, donc on va tout faire et c'est de bon augure d'avoir tous les joueurs disponibles, comme ça au moins on a beaucoup plus de solutions. Gostaria de dar uma última palavra, dizer que estamos muito próximos de terminar esta fase de qualificação do CAN. Para nós, como eu sempre disse desde o início, iria servir para nós termos a oportunidade de testar novos jogadores em todas as convocatórias. Alors, je voulais passer un dernier message à tout le peuple camerounais, à tout le monde, car on est en train d'arriver à la fin des qualifications pour la CAN au Cameroun. Comme je l'avais dit depuis le début, j'allais me baser sur un squelette et essayer de tester plusieurs joueurs dans cette qualification pour pouvoir avoir le maximum d'informations, d'analyses et pouvoir former mon groupe le mieux possible. En effet, les prochains matchs, après ces deux matchs qu'on va avoir pour la CAN, ça sera la qualification pour le championnat du monde, qui est très important pour nous. Et là, on se basera réellement sur les joueurs sur qui je compte, sur le groupe le plus fort possible, pour atteindre nos objectifs sur lesquels on s'est lancé. Je voudrais aussi qu'on sache que nous, devant la sélection, on est des gens sérieux. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre la joie au peuple camerounais. Donc j'aimerais bien qu'on évite d'essayer de déstabiliser, pas moi parce que j'ai l'habitude de tout ça, mais qu'on arrête de faire des polémiques autour des joueurs, autour de l'équipe, parce que ça ne sert à rien. Il faut qu'on reste unis. On marche tous dans la même direction parce que la victoire, elle sera de tout le monde.
Le sélectionneur national du Cameroun, Antonio Conceição, face à nos envoyés spéciaux à Praia, au Cap-Vert. Je signale que nous aurons l'ambiance qui règne dans la ville de Praia. La communauté camerounaise résidente à Praia se mobilise pour accompagner les Lions indomptables du Cameroun qui affrontent, je le rappelle, les requins bleus du Cap-Vert à 17h, heure de Yaoundé. Que valent ces requins bleus? Question ce matin à Virginie Edima qui est allée fouiner un tout petit peu. Jogar no Estádio Nacional de Cabo Verde, os Tubarões Azuis foram. Absent des deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en 2017 et en Égypte en 2019, le Cap-Vert garde toutes ses chances de qualification, à la seule condition de remporter les deux derniers matchs. Et cela passe par une victoire face au Cameroun ce vendredi à Praia. Invaincu depuis le début de ses éliminatoires, les poulains de Pedro Brito avaient tenu les Lions indomptables. En échec, 0-0 au stade Omnisports de Yaoundé lors de la phase aller. Avec 4 matchs nuls, en autant de sorties, les requins bleus totalisent 4 points. Oh, it's nicely covered as well there again by Vozinho. Does a brilliant job. Look at what he does, Basagog. That was delightful. En 5 face-à-face, les lusophones totalisent une victoire, un nul et 3 défaites contre le Cameroun. La sélection capverdienne aura donc à cœur de rééditer l'exploit réalisé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, où elle avait battu la sélection camerounaise par 2-0 à Praia. 15e au classement africain et 80e mondial, les requins bleus totalisent 2 participations en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À titre de rappel, le Cap-Vert a joué sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2013 en Afrique du Sud, où il est arrivé à se hisser en quart de finale. Janine, que logo depois, passados 3 minutos, dispôs de uma excelente chance para bizar. Cette page consacrée à cette sortie des Lions indomptables du Cameroun ce soir face aux requins bleus du Cap-Vert. Pour prendre l'actualité de nos Lions indomptables qui préparent les éliminatoires des Jeux olympiques de Tokyo 2021, l'équipe du Cameroun affronte le Chili les 10 et 13 avril prochains en Turquie. La sélection Fanion Dames est rentrée en stage interne depuis la semaine dernière pour ces deux rendez-vous cruciaux. Le sélectionneur national du Cameroun a convoqué 10 joueuses professionnelles. Alain Djemfa a fait confiance pour ce qui est de la défense à Estelle Johnson, Aliane Mambo Lamo, Marie-Aurèle Awono, Esther Maïkit. Pour les milieux de terrain, Edith Geneviève Ngombelek et Raïssa Fejo, grâce Ngok Yango, puis à l'attaque, on retrouve des joueuses connu, Michel Akaba, Nchut Njoya Adjara et Gabriel Aboudiongene, la capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Je vous le disais en titre, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekambi, a visité hier le chantier de construction du gymnase multisport de Fandena. Il ressort de cette descente sur le terrain du patron des Sports et de l'Éducation physique qu'un plan de relance des travaux va se mettre en route pour achever définitivement les travaux de ce chantier. Des précisions avec Évariste Yenga qui était dans la suite du ministre des Sports et de l'Éducation physique hier jeudi. Sa position isolée après le stade annexe numéro 3 détache le gymnase multisport de sa structure principale. Pourtant, il fait partie du complexe Stade Omnisport de Yaoundé avec la particularité d'être dédié aux sports individuels et collectifs. Ici sont prévus les sports de combat, le judo, la boxe, le karaté, les sports de main tels que le volley-ball, le basket-ball, le badminton, le tennis de table. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs disciplines sportives qui peuvent être pratiquées dans cet espace. Le complexe est sorti de terre il y a 10 ans, mais jamais il n'a rempli sa fonction. Le temps laisse déjà des traces. Une dégradation à vue d'œil de certains dispositifs du gros œuvre.
des travaux inachevés qui prennent déjà un coup de vieux. La décrépitude était plus galopante en 2019 à l'entrée en fonction de la patronne des lieux. Quand je suis arrivée, le gymnase était dans un état d'abandon total. Il était donc question de reprendre la main, de reprendre l'infrastructure et de réaffirmer la présence du ministère des Sports là-dessus. Donc nous avons fait pratiquement un an et quelques mois de sensibilisation, d'opérations de dégapissement, de nettoyage. Il fallait sécuriser le bâtiment parce que c'était ouvert partout. Nous avons fait des petits travaux pour que nous puissions avoir une seule entrée, comme vous voyez là, afin que nous puissions contrôler les entrées. Et dans le même ordre d'idées, nous avons fait une série de notes que nous avions adressées à notre hiérarchie pour essayer de lui expliquer le bien fondé de la reprise des travaux de ces gymnases. C'est pour dresser un état des lieux que l'ouvrage construit avec les fonds du Programme national de développement des infrastructures PENDIS que le ministre des Sports a effectué une descente. Constat est fait de la désuétude autant sur le parquet principal des compétitions que dans les pièces administratives. Aucune décision n'est prise pour l'instant. Un plan de relance des travaux est cependant envisagé. Il s'agit donc de mettre en œuvre un plan de réhabilitation ou de relance des travaux de ce gymnase qui viendra dans le cadre du complexe Omnisport de Fadena, qui viendra non seulement enrichir l'offre en matière d'infrastructures sportives, mais également, et je parle sous le contrôle de monsieur le gouverneur de la région du centre, mais également contribuer à l'embellissement du paysage urbain dans ce secteur. Mais bien avant, une réunion technique permettra une meilleure évaluation des travaux réalisés et du taux de réalisation attendu. Je pense que la descente du ministre ici aujourd'hui, c'est de réaffirmer la présence du ministère des Sports sur ces lieux et maintenant de voir dans quelle mesure il faut le terminer, il faut recommencer les travaux afin que les Camerounais puissent bénéficier de cette infrastructure telle qu'elle a été pensée par le chef de l'État. Pour l'heure, le gymnase multisport est toujours en situation d'attente. La structure est appelée à décongestionner le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Et nous espérons que les travaux seront relancés dans ce chantier de construction du gymnase multisport de Fandena ici à Yaoundé. Retour sur l'actualité du jour, cette rencontre qui oppose ce soir à 17h les Lions indomptables du Cameroun aux requins bleus du Cap-Vert. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cameroun 2021, la communauté camerounaise de Praia s'apprête à soutenir les Lions indomptables pour cette confrontation face aux requins bleus. René Katché a baladé sa caméra et son microphone à travers les rues de Praia. Reportage. A first glimpse of the small but dazzling city of Praia from an aerial view leaves no one indifferent for the first time. Sandwiched by a set of plateaus and valleys, Praia, which in Portuguese means beach, inhabits over 30 Cameroonians, most of whom are businessmen. One of them, Oliver Twisson, left his native Limbe some 2 years ago, and in Praia, the 31-year-old has found a new home. I'm a businessman, I do import and export. Cape Verde is a very peaceful country, very calm, very welcoming, you know, as a Cameroonian, you have to try elsewhere, you know. Yeah, you have to try elsewhere. With the knowledge we get back home from Cameroon, we can export it back to other countries and sure we can be successful. So we have some business which we import stuff from Europe and we come sell them here in Cape Verde. The peaceful city, which is also the capital and largest city of Cape Verde, has its arms wide opened for different nationals, Cameroonians inclusive. Cape Verde is a very beautiful country, as you see. It's called the African Caribbean, you know. Life here, this is the beach, you know, the people are welcoming. There's a lot of like what they call festa and a lot of good food and good people. That's what I can say I enjoy in Cape Verde. The small Cameroonian community is united and development-driven. We have an association of Cameroonians here. Yeah, we have an association of Cameroonians. We, like, twice every month on a Sunday, we come together, we see how we can work together and see how we can carry on various activities as Cameroonians, support each other and see how we can move forward.
Like Cameroonians, Cape Verdeans enjoy diverse dishes, just like drinks. You have kachupa, which is same like corn chaff in Cameroon. Yeah, the only difference is that why we're using palm oil, the red oil, and yeah, they use vegetable oil. And also they have drinks like Strela Criolla, which is called, they call it Fijo de Terra, which is homemade, you know. But they have other drinks which come from Portugal, like Strela is same like three export what we have in Cameroon. Even though he has found comfort in this beautiful Santiago Island, Oliver says his heart has never stopped beating for Cameroon. We received the team with a lot of enthusiasm because there's a lot of, we wanted to have the opportunity to see some of the players which we have not seen for a long time. And we were here at the hotel and we received the players. We were happy. We sang the national anthem and everything was good. The Cameroonian will never forget the pidgin language, which he says is his identity. Oh, bro, I love 100% at the top pidgin now. Yeah, 100%. All things they fine, you know. We'll be happy for receive Lions every year, and we try to say we'll give our own support. Like his compatriots, Olivan Twisin has vowed to defend the green, red, yellow flag of Cameroon anywhere, anyhow, and anytime. Belles images en provenance de Praia au Cap-Vert. Je rappelle le coup d'envoi de ce match à suivre sur les différentes plateformes de la CRTV à partir de 17h, heure du Cameroun. Prise d'antenne, 16h. Nous parlons à présent d'athlétisme. Douala, capitale de l'athlétisme camerounais, le temps d'un week-end. Le troisième meeting interclub est annoncé les 27 et 28 mars prochain au stade annexe numéro 1 de Japuma. 300 athlètes sont attendus pour les épreuves de saut, de lancer, de course et de marche. L'objectif est de réaliser les minima pour les championnats d'Afrique d'athlétisme et naturellement les Jeux olympiques prévus à Tokyo au Japon. Les espoirs du Cameroun reposent sur Nora Moni, spécialiste du lancer de disque et de deux sprinteurs. On en parle avec Rosalie Sofinke qui nous présente ses acteurs. 20,09 secondes sur 200 mètres, un record national, un exploit de Raphaël Ngangele. Le jeune athlète avec ce chrono est paré pour la grande messe sportive planétaire. Il a pulvérisé ce record lors de la deuxième journée du meeting interclub d'athlétisme à Yaoundé. Élève en classe de terminale au lycée de Ngouaïkélé, les performances de Raphaël Ngangele ne surprennent pas. En octobre 2020, il a été élu meilleur athlète masculin de la Confédération africaine d'athlétisme grâce à sa victoire aux 100 mètres. Le jeune sprinteur, après son dernier record, se positionne devant Emmanuel Essémé. Lui aussi, c'est un spécialiste du 100 et 200 mètres. Lors de la première journée des meetings interclub à Douala, il a réalisé une performance de 21,22 secondes aux 200 mètres et s'est aligné au troisième rang du 100 mètres avec un chrono de 10,46 secondes. L'athlète de Cameroun Sport est l'un des grands espoirs de cette troisième journée des meetings interclub d'athlétisme. Âgé de 27 ans, Emmanuel Essémé est le meilleur dans sa discipline depuis des années. En 2019 à Doha, au Qatar, l'ancien gardien de but en football a arraché la sixième place aux 200 mètres des championnats du monde et s'est imposé dans le top 50 des meilleurs athlètes mondiaux 2019, un classement de World Athletics. Emmanuel Essémé compte ainsi se repositionner lors du meeting de ce week-end à Douala.
Chez les dames, Nora Moni porte sur ses épaules les espoirs de la nation. Avec 54,60 m en lancer de disque, elle a battu le record du Cameroun dans la discipline. Lors des derniers meetings, l'étudiante à l'université de Houston aux États-Unis a choisi de s'engager avec son pays d'origine. Amoureuse du vert ou jaune, Noura ira défendre les couleurs nationales cette année au Japon. Les championnats d'Afrique d'athlétisme qui auront lieu en Algérie du 1er au 5 juin 2021 permettront également à d'autres athlètes de se qualifier pour les Jeux olympiques. Actualité à suivre donc ce week-end à Douala, capitale économique, ce meeting interclub d'athlétisme. On parle à présent des activités de la FECASDI, la Fédération Camerounaise de Sport pour Déficients Intellectuels. Avec moi sur ce plateau, le président de la Fédération Camerounaise de Sport pour Déficients Intellectuels, Jean-Marie Alécole Mabiemé. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Jean Siriac et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment se porte la FECASDI? Ben, comme toutes les fédérations camerounaises qui ne font pas dans le football, elles se portent bien. On peut dire que tout va dans le bon sens depuis que le confinement s'est arrêté et depuis que nous avons la possibilité d'organiser nos événements. La grosse actualité à la Fédération camerounaise de sport pour déficients intellectuels, c'est le lancement de la saison. Demain samedi, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, avec des rencontres de football et d'athlétisme, c'est bien cela? Oui, nous allons débuter demain à 8h00. C'est vrai que les athlètes devront être là à partir de 6h30 pour les préliminaires, parce que nous avons affaire à une classe particulière, une classe sociale particulière, à savoir les déficients intellectuels, c'est-à-dire ceux-là qui ont un retard dans le développement de l'intelligence. Et ce sont eux qui vont se mettre en spectacle demain. Et naturellement, il va falloir faire des tests, c'est-à-dire des tests médicaux pour détecter des cas de commercialité ou bien quelque chose qui peut amener à avoir un accident sur le terrain. D'office, ceux-là devront être éliminés. Et par la suite, nous allons entamer avec le football au stade annexe numéro 1 et l'athlétisme sur la piste du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Il faut dire que ces deux éléments viennent à point nommé parce que nous avons en ligne de mire une compétition internationale que nous devons organiser ici au Cameroun. Et ce sont les deux disciplines qui ont été sélectionnées. Et en même temps, quand nous parlons de l'athlétisme, nous voyons là les courses et les concours. Dans les concours, nous aurons le saut en longueur, pas le triple saut, et nous aurons le lancer de poids, parce que on ne peut pas avoir une multitude d'activités pour cette tranche sociale. C'est pour cette raison que nous limitons à ces deux disciplines au concours. Et maintenant, dans les courses, nous aurons les 50 mètres, les 100 mètres, les 400 mètres et les 1500 mètres. Donc pour nous, je pense qu'en une demi-journée, on aura terminé nos activités. Monsieur le Président, est-ce que les parents de ces jeunes les mettent à votre disposition de manière spontanée, sans gêne, sans se soucier de rien? Il faut dire que en presque 20 ans d'activité dans ce domaine, ça n'a jamais été facile, malgré l'effort que vous, les hommes des médias, vous faites pour nous accompagner dans cette activité. Les parents sont toujours réticents. Si vous arrivez à la fédération, lorsque nous allons organiser nos événements demain, vous allez constater que c'est la fédération qui prend en charge les athlètes, leur apporte même d'ailleurs le casse-croûte, tout simplement parce que ces athlètes viennent de familles précaires. Et ceux-là qui ont même assez de moyens et qui nécessairement ont l'obligation d'amener leurs enfants vers nous et nous soutenir. Curieusement, au Cameroun, ce sont eux qui sont les premiers à se débiner. Et on est obligé de faire avec ceux-là qui comprennent que, au niveau de la FECASDI, les enfants peuvent s'épanouir, ils peuvent devenir des stars de la nation et faire flotter le drapeau du Cameroun à l'international. Monsieur le Président, une nouvelle saison se met sur les rails. Vous la placez sous quel signe et quels sont les défis que vous êtes appelés à relever cette saison? Depuis 2012,
Nous sommes entrés dans une phase d'activité intense pour que l'Afrique puisse présenter aux Jeux paralympiques des athlètes déficients intellectuels. Depuis 1960 que les Jeux paralympiques ont été modernisés, il n'y a aucun pays africain, surtout de l'Afrique subsaharienne, qui a présenté des athlètes déficients intellectuels. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener depuis. Mais malheureusement, il faut vraiment avoir de la patience. Il faut prendre du temps pour y arriver. Mais au niveau international, nous avons déjà un pied vraiment à l'étrier. Nous pensons que 2021, Tokyo 2021, risque d'avoir quand même un athlète, pourquoi pas du pays africain, pardon, du Cameroun, parce que le Cameroun aujourd'hui se présente un peu comme leader. Tout simplement parce que le Cameroun a eu la chance d'avoir des personnes bien formées à l'Institut national de la jeunesse et des sports qui ont profité des stages internationaux et sont revenus au pays former d'autres formateurs. Et c'est ainsi que nous avons pu avoir le maximum d'athlètes aujourd'hui à travers le travail effectué par ces personnes formées à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et nous pensons que nous pouvons déjà réaliser les minima, parce qu'il y en a qui sont déjà au minima B. Nous pensons que nous pouvons réaliser les minima A pour qu'on puisse nous qualifier pour les Jeux paralympiques. Et ce sera vraiment, c'est un point d'honneur pour nous. Donc, si tout va bien, comme c'est notre fédération mondiale qui nous a accordé l'organisation de cette compétition, je pense qu'avec les tests psychométriques et l'avantage du domicile, on pourra avoir un qualifié pour les Jeux paralympiques. Monsieur le Président, à l'école Mabimé, nous allons sortir par là. Le Covid-19, invité surprise, comment vous vous débrouillez pour organiser les activités en plein Covid? Il faut dire que pour nous, c'est comme si Covid-19 était venu essentiellement pour les déficients intellectuels. Voyez-vous, Covid-19 arrive en 2020, en mars 2020, au moment où nos athlètes sont en stage pour la compétition internationale qui va se dérouler le mois prochain. Et d'office, on fait sortir tous nos athlètes. Il faut maintenant se réadapter. Nous avons fait des efforts pour avoir des athlètes, des parents qui s'occupent de nos athlètes qui étaient déjà sur le podium. Mais malheureusement, comme c'est des familles qui doivent se débrouiller pour le quotidien, il y a des grands frères qui ne pouvaient pas suivre les petits frères, déficients intellectuels, les parents qui sont obligés de se battre. Et finalement, l'athlète lui-même ne pouvait pas suivre le programme établi par la direction technique. Et là, dès qu'on a libéré, nos entraîneurs nationaux se sont mis au travail. Et aujourd'hui, je pense qu'avec Covid-19, on pourra essayer de faire comme si c'était une partie de nous. Surtout que nous avons le docteur Olinga et son équipe technique qui prennent des mesures pour que tout se déroule bien, distanciation. Nous avons déjà des seaux, des cache-nez, des savons. Et il a justement des tests contre de détection de coronavirus pour que demain les athlètes ne soient pas surpris. C'est ce que nous faisons. Monsieur le Président, Jean-Marie à l'école Mabiemé, merci d'être venu nous voir ce matin. Je vous en prie, Jean Sirac, permettez-moi de dire, d'exprimer toute mon émotion, toute ma satisfaction. Et je l'annonce aussi à tous les présidents des fédérations, de savoir que le sport a déjà un très grand studio. Je suis très émerveillé de savoir que ce studio, il est très beau. Et je profite pour féliciter les acteurs, c'est-à-dire vous qui travaillez au quotidien. En commençant par M. le directeur général de la CRTV. Je pense autrement. Le directeur de la CRTV n'est rien si vous ne faites pas quelque chose. C'est pour ça que je commence par vous. Vous qui travaillez au quotidien et terminez par le directeur de la CRTV qui vous manage. Directeur général. Le directeur général qui vous manage et qui vous dit voilà vers où nous devons aller. Donc c'est pour cette raison que vraiment je suis très émerveillé et je dis grandement merci. Je suis fier d'être Camerounais. Merci, Monsieur le Président, d'être venu nous voir. L'autre actualité, c'est la grande réunion. Ce sont des retrouvailles plutôt des Namboudoka de la zone CEMAC à Yaoundé du 29 mars au 4 avril 2021. Un stage international
le tournoi CEMAC et l'hommage au grand maître fondateur Doshi Yoshinao Nambo, triple événement dans le respect des mesures barrières. Ce sera au palais polyvalent des sports de Yaoundé Ouarda. J'accueille à présent Madame Focus League. Rosalie Sofinke, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, Jean-Cyriac Bessé, bonjour à tous. Un autre vendredi. Ouais, comme toujours. Voilà, nous prenons cette transition. Focus League, évidemment, nous parlons du championnat national de football Elite One. Les différents protagonistes retrouvent les chemins des stades ce week-end, Sophie. Et en cette quatrième journée de compétition, l'affiche entre le Tonnerre Calara Club et Coton Sport de Garoua cristallise déjà les attentions. Nous rappelons que dans le groupe B, le TKC, quatrième avec 4 points, est suivi de très près par son adversaire, Coton Sport, cinquième au classement avec 3 points. Ce sera la bataille pour un meilleur positionnement entre les deux clubs ce dimanche, 14h, à la cuvette d'un Fandena. Dimitri Onomo. Bataille au sommet, annoncée entre deux clubs mythiques du pays, tous anciens vainqueurs du championnat d'élite. Les deux équipes logées dans la poule B sont distancées d'un seul point, avec une petite avance pour le Tonnerre Calara Club de Yaoundé. Les Calara Boys comptent 4 points accumulés après 2 matchs, sanctionnés d'une victoire 1-0 devant Panthère Sportif d'Yaoundé et puis d'un match nul de 0 but partout, enregistré contre Colombe du Dja et Lobo. Une prestation qui leur a valu la 4e place qu'ils occupent actuellement au classement. En face, Coton Sport de Garoua, le club des bergers de la Benoué, totalise 3 points en 2 sorties. Les cotonculteurs ont battu Young Sport Academy de Bamenda en entame de compétition 2-0 et se sont inclinés 2-3 devant la Panthère Sportive d'Yaoundé. Coton Sport de Garoua occupe donc la 5e place dans ce groupe. Dans les rangs de Coton Sport, on nourrit le rêve de remporter le duel face aux Calara Boys et surtout de rectifier le faux pas survenu devant la Panthère Sportive d'Yaoundé. Il est question de se remettre sur le chemin de la victoire, comme cela fut le cas face à Young Sport Academy de Bamenda. Je pense que la compétition continue, c'est encore très long la route, mais on va se remettre au travail pour pouvoir continuer sur la même lancée. Contre le Tonnerre Calara Club de Yaoundé, le patron du banc de touche des cotonculteurs, Aboubakar Souleymanou et ses poulains, pourront compter sur le bon état d'esprit qui règne au sein du groupe quelques jours après la victoire 2-0 obtenue devant le club marocain Renaissance Sportive de Berkane en Coupe de la CAF le 17 mars dernier. Invaincu depuis le début du championnat, Tonnerre Calara Club de Yaoundé entend s'imposer devant Coton Sport de Garoua, ceci dans le but de maintenir à bonne distance le club du Nord. Mais du côté des Calara Boys, on reste prudent. C'est une équipe qui est ambitieuse, c'est une équipe qui a fait un très bon championnat, le précédent. C'est une équipe qui rêve grand, c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition. Donc rien qu'à travers ce genre d'informations, on peut s'imaginer quel est l'objectif de leur saison. Les deux clubs qui n'ont pas pu remporter leur match de la précédente journée souhaitent récupérer les 3 points cette fois-ci. La série de clean sheets du TKC se poursuivra-t-elle face à Coton Sport de Garoua? Réponse attendue sur le rectangle vert du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ce dimanche. C'est le cas, ouverture du score du Coton Sport. Également à suivre au stade Amadou. Au terme de ces deux rencontres, Suzanne Claudefa nous en dit plus. Leader de la poule A avec 7 points au classement provisoire, AS Fortuna de Fou entend rester dans la même dynamique de victoire devant Stade Renard de Melon, 5e avec 4 points. Lors de la 3e journée, les deux clubs ont respectivement battu leurs adversaires. 2-0 pour AS Fortuna face à Avion Duncam et 3-2 pour Stade Renard devant Bamboutos Dombouda. C'est dans la preuve par là que les joueurs des deux équipes ont le moral gonflé à bloc pour aborder cette rencontre qui permettra à l'une ou à l'autre formation d'engranger les 3 points de la partie à défaut d'un match nul. Seulement, les statistiques enregistrées depuis 3 saisons donnent avantage à AS Fortuna d'un fou qui en 9 rencontres s'est imposé 4 fois contre une seule victoire pour Stade Renard et 4 matchs nuls. L'équipe du Mungo pourra-t-elle infliger la première défaite à AS Fortuna? La réponse, c'est ce dimanche au stade Omnisport de Yaoundé.
Mais attention, le club de Mfou a des arguments à faire valoir pour s'imposer à la maison et surtout de prendre le large dans la poule A avec 10 points. Dans la poule B, la Panthère du D, leader avec 6 points, est l'hôte de la Colombe sportive du Dia et Lobo, 7e avec 2 petits points en 2 matchs. Une insuffisance de résultats qui met la pression sur le nouvel entraîneur de l'Oiseau du Sud. Du côté de la Panthère sportive d'Undé, il sera sans doute question d'enchaîner pour une deuxième victoire consécutive, surtout après celle enregistrée devant Coton Sport de Garoua. La Colombe du Dia et Lobo prendra-t-elle finalement son envol ce samedi face aux Fauves d'Undé? Attendons de voir. Seul le temps nous le dira. On le verra évidemment. Sophie, vous nous déroulez à présent le reste des affiches de cette 4e journée du championnat national de football élitoine. Et dans la poule A, FC Yaoundé 2 formation attend Bamboutos FC de Mbouda ce samedi à 14h au stade du centre technique de la CAF de Mbankomo. À 16h sur les mêmes installations, Dragon Club de Yaoundé jouera contre Fovo Club de Baham. Edding Sport et Union, qui n'ont qu'un seul point au compteur jusqu'ici, vont tenter de remonter la pente ce dimanche. Et puis, nous avons également d'autres rencontres à l'instar de celle qui va opposer Avion à Djiko FC de Douala, APGS de Mfou à New Star de Yaoundé, APGS de Mfou à New Star. Et puis, pour terminer, les de Douala seront en déplacement dans la ville de Bamenda pour affronter Young Sport Academy. En rappel, pour cette 4e journée, le club champion du Cameroun, PWD, sera exempt de cette journée et le match UMS de Loum contre Canon Sportif a été simplement reporté. Nous parlons des dames à présent avec le championnat national de football féminin qui nous propose 5 belles affiches. À Yaoundé, Amazon FAP, leader au classement avec 24 points, affronte son successeur immédiat, Louve Mine Prof, au stade annexe de Fondena. Ici même à Yaoundé, FC Ebolo Vafi reçoit AS Diamaré, tandis qu'au stade de Guider, Renaissance Athlétique sera face à Vision Sport. L'affiche du week-end de ce championnat est déroulée ici par Cathy Nadine Mbomizomo. La bataille s'annonce palpitante au sommet du tableau féminin ce week-end. Amazon FAP, leader avec 27 points, affronte son dauphin Love Mine Prof qui compte 25 points au marquoir. En cas de victoire, les pouliches de Mike Ndoumou vont prendre le large avec 5 points d'écart. Par contre, si les Louves sortent victorieuses de ce duel, elles vont se hisser en tête de ce classement. Lors de leur dernière confrontation en 2019, les pouliches du coach Odu Poumi avaient pris le meilleur sur Amazon FAP 2-0. Autre confrontation, et non des moindres, c'est l'affiche qui met aux prises Edin Sporfi à Awa FC. Une rencontre déterminante pour les deux équipes qui cherchent à engranger les 3 points de la journée et améliorer leurs positions respectives. Un faux pas n'est donc pas envisageable pour Awa FC, en embuscade à la 2e place avec 25 points. Contrairement à son adversaire du jour, Edin FC, qui compte 7 points et occupe le 8e rang. Samedi, le club de la Leke n'entend pas faire de la figuration face à son adversaire. C'est d'autant plus que l'équipe est allée arracher un point du nul à l'extérieur devant Caïman de Douala. Au stade de Nkovos, FC Ebolova attend de pied ferme AS Diamaré qui court après sa première victoire de la saison. Enfin, pour cette 9e journée en Elite One, la rencontre Renaissance Athlétique Vision Sport sera également suivie à Guider avec beaucoup d'intérêt. Étant donné que l'équipe sort d'une défaite en match avancé de la 12e journée devant Love Mine Prof. À l'issue de cette 9e journée, l'on s'attend donc à une redistribution des cartes dans ce classement. Rosalie Sophie, merci de nous avoir servi cette abondante page réservée au foot local. Merci à vous Jean-Cyriac Bessé, bon week-end à tous. Bon week-end à vous et nous passons à présent à notre page Insight. Et
Et ça aide nous à conduire dans les couloirs de la colombe sportive du Jai Lobo. Le banc de touche de la colombe sportive du Jai Lobo a été touché par la vague de limogeage. Jules Abaounana a été viré de son poste d'entraîneur principal de l'Oiseau du Sud au lendemain d'un second match nul. De quoi accuse-t-on le technicien Abaounana? Jean Armstrong-Diou a mené sa petite enquête. On ne peut pas avoir le ballon. Les joueurs défensifs ont le ballon. Hein? Vous ne bougez pas. Vous ne demandez pas. Vous ne décrochez pas. Vous êtes caché derrière les joueurs du TKC. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer comme ça. Jules Moïse Abaounana dans les vestiaires lors du match Colombe-TKC. C'était la mi-temps. Le score entre les deux équipes était de 0 but partout. La troisième journée du championnat national Elite One 2020. En repartant sur le terrain, il nourrissait quelques ambitions pour son équipe. Nous avons dit aux enfants de se réveiller. Et c'est vrai qu'il faisait très chaud, mais c'est dans la même chaleur que Tonnerre joue aussi. Donc on espère que les conseils qu'on leur a donnés, ils vont pouvoir mettre ça à profit et montrer un nouveau visage de la Colombe en deuxième mi-temps. Le pauvre Jules était loin d'imaginer que son sort était en train de se sceller. Malgré une deuxième mi-temps où les Colombiens ont relevé la tête et qui aussi s'est soldée par un 0-0, donc comme point de gagné, il déclare ceci sans savoir que son chemin avec l'Oiseau du Jai Lobo s'arrêtait là. Ce n'est pas deux sorties de défaite, donc c'est deux nuls, l'équipe n'a pas pris de but. Au niveau défensif, ça s'est amélioré, contrairement à la première journée, parce qu'on a fait un contre USMS, mais c'est au niveau de l'attaque qu'on a énormément de problèmes. Et on va se mettre au travail pour que les joueurs de la Colombe puissent être incisifs et décisifs. 24 heures plus tard, un communiqué de la cellule de communication de la Colombe prend tout le monde de court. Jules Abaounana était écarté du banc de touche de la Colombe sportive du Sud. Décision prise par le président du conseil d'administration André Noël Essienne. Jules Abaounana atterrit dans la Colombe du Jai Lobo le 20 juillet 2020 à la suite du contrat signé avec l'équipe duré un an. Les entraîneurs du TKC et des Dien FC, courtisés par plusieurs clubs d'Elite One et tout, avaient décidé de poser ses valises à San Melima. Colombe était quand même une bonne équipe la saison dernière. Le coach Zabo a fait du bon travail. D'ailleurs, elle a terminé le championnat en troisième position. C'est plus excitant d'aller prendre une équipe ambitieuse qui a occupé le podium. Donc, c'est une des raisons de ma venue à Colombe. L'équipe est ambitieuse et quand on est un entraîneur qui veut gagner, on cherche une équipe qui a de l'ambition. D'ici le journal le jour, le technicien va pourtant mettre le doigt sur le problème qui empêchera d'enchaîner la fin de la saison 2019-2020, tenue triante, et le début de la nouvelle saison. Il dira toujours à nos confrères du jour. En temps normal, en adéquation de ce qui m'a motivé, j'aurais pu dire que l'objectif numéro un serait de faire mieux que l'année dernière. Mais malheureusement, ce mercato a fait beaucoup de dégâts au sein de la Colombe, qui est en train de perdre beaucoup de joueurs. L'objectif numéro un se trouve être la reconstruction que nous espérons rapide. Il y a un peu plus de 6 joueurs qui sont partis de la maison. Il faut retrouver des joueurs poste par poste avec autant de calibre que ceux de l'année dernière. Lui voulait reconstruire une grande équipe et atteindre les objectifs. Les dirigeants de la Colombe, eux, attendaient les résultats immédiatement. 2 matchs en 2 sorties, ça ne cadrait pas avec la mission assignée. En août 2020, le président du conseil d'administration de la Colombe, André Noël Essienne, lors d'une assemblée générale tenue à San Melima, Labelle avait dit: nous pensons que l'année qui commence va avoir aussi un début en fanfare pour nous mener à un très bon résultat. Nous souhaitons terminer la saison champion ou vainqueur de la Coupe du Cameroun pour pouvoir connaître la compétition africaine. Les ambitions de la Colombe à partir de ce moment ne titubaient pas. Champion ou vainqueur de la Coupe du Cameroun, un point c'est tout. Les gardes du Sud rêvent grand et ne veulent pas perdre du temps. Nous savons que sur le plan footballistique, étant donné que l'année dernière, nous nous sommes battus pour atteindre ce niveau. Et pourquoi pas cette année avec les recrutements qui se sont déroulés, avec le nouveau staff technique. Et comme c'est des gens qui maîtrisent leur boulot, on se dit que ces gens-là pourront nous accompagner pour atteindre vraiment les objectifs. Colombe avait son budget, 118 millions de francs CFA, avec des maillots tout neufs,
tout beau avec son installation à Yaoundé pour jouer sur le terrain gazonné, ne lésinera pas sur les moyens pour faire mieux que la troisième position obtenue l'année passée. Le banc de touche est occupé à l'heure actuelle par Fils Baudouin Patrick Ondobo, l'adjoint. Mais selon des indiscrétions puisées à bonne source, il ne restera pas là longtemps. Si Jules Moïse Aba Onana n'a pas été le Moïse qui amènera le peuple de la Colombe à la terre promise, le sacre comme champion, la mission sera assignée à l'un de ses coachs en ce moment courtisé. Yves Clément Aroga à Atiencho, premier Africain titulaire du diplôme UEFA Pro en Espagne, surnommé le Guardiola Africain, ancien entraîneur national des A'. Et surtout Emmanuel Ndoumbé Bosso, qui a entraîné des clubs comme le Coton Sport de Garoua et à l'heure actuelle, sélectionneur région des A'. Les tractations sont en cours sur le montant de la prime de signature et du salaire mensuel. La Colombe veut voler très haut cette année, même s'il faut opérer des miracles. C'est noté, et d'ailleurs bien noté, Jean Armstrong Diou. Nous passons à Roundup à présent. Le Roundup, nous sommes à un peu plus de 24 heures du combat entre Francis Ngannou, le Camerounais, et Stipe Miosic. C'est du MMA, Mixed Martial Art, un sport de combat alliant plusieurs disciplines. Le duel a lieu dans la nuit de dimanche. Les deux combattants s'affrontent pour la ceinture des poids lourds de l'UFC aux États-Unis d'Amérique. Le natif de Batier pourrait marquer l'histoire en cas de victoire. Évocation Robert Bajek. La marche semblait trop haute en mai 2018 lorsque Francis Ngannou perdait face au champion incontesté des poids lourds UFC, Stipe Miosic. Good shot by Miocic. He's in trouble here. Une année 2018 à vite oublier puisque depuis lors, le Camerounais n'a jamais aussi bien porté son surnom, le Prédateur. De victoire en victoire, depuis plus de deux ans, Ngannou démolit tout sur son passage à la vitesse de l'éclair, comme dans ce combat remporté en 26 secondes seulement face à Cain Velasquez. Il fait même mieux dans son dernier combat à date, mettant fin aux hostilités en 20 secondes chrono, à peine le temps pour les spectateurs de bien s'installer dans leur siège. Le camp Ngannou se prend à miroiter la ceinture de champion, mais pour cela, il faudra corriger les erreurs du premier combat contre Miosic. L'endurance, la patience et la technique de combat au sol. Il est d'ailleurs le premier à le reconnaître dans une interview qu'il a récemment accordée à un média américain. La première fois que je l'ai rencontré, je n'étais pas prêt. Ce n'est pas comme cela qu'on s'en va combattre pour un titre. Maintenant, tout est en ordre, tout est prêt. Dans la nuit de dimanche, précisément à 4h du matin, le natif de Batier dans l'Ouest Cameroun a rendez-vous avec l'histoire face à celui qui est considéré comme le plus grand poids lourd de l'histoire de l'Ultimate Fighting Championship. Le défi est immense, à la hauteur du vécu du jeune homme parti de rien pour tutoyer les étoiles de la MMA. Assistera-t-on à nouveau à une victoire éclair de Ngannou sous le ciel américain? À chacun son chrono en main ce dimanche. Diaspora au pas de course, j'accueille Robert Badiek, bonjour. Bonjour Jean Syriac. Comment vous allez? Ça va très bien, ça va. Et vous nous donnez les dernières nouvelles de ce combat de Ngannou? Absolument, combat de titan qui aura lieu dans la nuit de dimanche. Ce sera évidemment à Las Vegas aux États-Unis. Francis Ngannou et Stipe Miosic ont procédé hier à la conférence de presse à Vegas. Justement, les deux combattants s'affrontent pour la deuxième fois de l'histoire. Le premier combat avait été remporté par Miosic, qui est considéré, vous l'avez écouté dans le reportage, comme le plus grand champion, le plus grand de la catégorie des poids lourds à l'UFC. Ngannou aura peut-être l'occasion d'avoir sa revanche dès demain, dès dimanche plutôt. On attend pour voir.
On se dit quelques mots de football avec les résultats des rencontres de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. À l'issue des 8 matchs comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2021 disputée hier, 7 nouveaux qualifiés sont connus. Il s'agit du Comore qui se qualifie, tenez-vous, pour la première fois de l'histoire de leur pays. Donc, ils se sont qualifiés à l'issue du match nul et vierge face au Togo. Également la Gambie qui s'est qualifiée, vainqueur 1-0 de l'Angola. Le match nul, un but partout entre l'Égypte et le Kenya a suffi pour donner aux pharaons pour composter leur ticket qualificatif pour le Cameroun 2021. Et puis la sensation de la soirée, le Gabon étrille la République démocratique du Congo par 3-0. Le Gabon se qualifie également. Dans la suite des matchs d'hier, le Zimbabwe victorieux à l'extérieur, 1-0 face au Botswana, obtient également sa qualification. La Tunisie, qui était déjà qualifiée, a battu la Libye sur son propre territoire, 5-2. Match nul explosif entre l'Algérie et la Zambie, 3-0. Score final, l'Algérie poursuit sa série incroyable de résultats, 23 matchs sans perdre justement. Et puis la Guinée équatoriale surprend la Tanzanie 1-0 à domicile et se qualifie pour le Cameroun 2021. Soit 14 pays au total se sont qualifiés. Il reste 10 places à prendre pour les éliminatoires qui se poursuivent jusqu'à demain. Justement, des rencontres sont prévues ce vendredi. Le Cameroun entre en scène, ainsi que 11 autres nations africaines. Tout à fait. Dès 14h aujourd'hui, le Burundi sera face à la République centrafricaine. À partir de 14h également, Eswatini, Guinée-Bissau. À 17h, le Cap-Vert accueille le Cameroun. Et simultanément, Congolais et Sénégalais vont s'affronter. Il y aura également un certain Niger, Côte d'Ivoire. Et puis à 20h, la Mauritanie sera face au Maroc. Merci Robert Badiek. Merci. Excellent week-end à vous. Excellent week-end à vous, Jean-Cyril. Merci de nous avoir regardés. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de Daily Sport sur CRTV Sport Anita Tetman. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien. Retrouvez le présentateur vedette de cette émission, lundi prochain, Serge Foisguet. Bon week-end.